attendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des morts qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Charge d'adresser ses condoléances à toute la famille, si du moins éprouvée. Bien-aimé de Dieu, nous allons remettre notre papa, après son parti, Pépé Noémile, dans la baptême de cette Eucharistie que nous allons célébrer. Reconnaissons nos pécheurs. Demandons sincèrement pardon à Dieu pour tous nos manquements, pour tous les manquements de son serviteur, papa Benoît. Avant de lui offrir sa sacrifice.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant mes péchés, en pensée, en parole, par action et par omission de mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Péché et nous conduise à la vie éternelle. Nous ne vivons pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. » Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents. À l'autre, 2 talents. Au troisième, 1 seul. À chacun, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Il répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Alléluia, alléluia. En l'honneur de Papa Benoît qui nous a quittés,
Et comme je disais encore hier, que la mort est une chose réelle. La mort est une chose évidente, tellement évidente que chacun de nous passera par là. La mort est incontournable. Et étant incontournable, elle semble faire peur à beaucoup, voire même à tous. Et parce qu'elle semble faire peur, elle donne à certaines personnes de tracer leurs calculs pour défier cette mort. Et même le Seigneur nous en offre une possibilité pour que cette mort ne soit pour nous qu'un passage. Et comme calcul, il y en a qui échouent, il y en a qui réussissent. Comme nous le révèle la parabole des talents ce matin. Ceux qui échouent, c'est ceux qui voient la mort comme une fatalité. C'est ceux qui voient la mort comme un arrêt et une fin. Et à cause de cela, ils s'arrangent à pouvoir tracer leur plan de manière à ce que, quand cette mort arrive, ils savent qu'ils ont déjà tout fait et ça suffit. Ceci me rappelle une histoire. Ça, c'est au sujet de la mort. Chez les Blancs, vous savez, pour ceux qui y vont ou qui y sont, les cimetières ne sont pas abandonnés dans les forêts comme chez nous. Les cimetières sont très bien entretenus. Même si en retour, quand ces Blancs nous voient développer une affection à l'égard on appelle ça quoi, d'un jeune tout. Un jeune tout, c'est ça, non? Et pourtant, ces Blancs, je vous assure, la propreté avec laquelle, c'est-à-dire qu'ils buvaient, en se moquant même de ceux qui sont déjà morts en face du cimetière. Que le barman a fini par écrire et coller en face de son bar. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ceux qui sont ici viennent d'en face. Voilà. Donc, quoi qu'on fasse, ceux qui sont ici au cimetière viennent du bar. Donc, pour s'écouter leur mise en bière. Voilà. Comment les insensés peuvent parfois, n'est-ce pas, sans chaque doigt, la main ne peut pas venir. C'est tellement fort que si ça. Et ça veut dire que le fait que chacun n'est pas unique à son genre, mais il est question que chacun prenne conscience que sa vie étant un don, il n'est appelé qu'à faire fructifier, à donner un sens à cette vie, puisque la lecture de Saint Paul aux Romains vient de nous dire personne ne vit pour soi. Afin de notre vie, n'est-ce pas, un don pour les autres. Et c'est ça qui est la question. Donc, l'Évangile, aujourd'hui, en nous rappelant de la parabole des talents, nous fait donc savoir que, vivant pour les autres, chacun a sa façon, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. À la fin, chacun doit rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie. Et qui ont fait fructifier chacun à son niveau, on se rend compte quand même qu'à la fin, ils sont au même endroit, entre dans la joie de ton. Et à partir de là, on comprend que la vie est telle que chacun doit faire son travail et bien. À la place des autres. Et comme on va être à la place des autres, on se laisse distraire par ces mauvaises pensées qu'on n'arrive plus à bien faire ce qu'on a à faire. Devant Dieu, il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, de prêtre. Il y a du chrétien. Et il y a du chrétien. Et le chrétien, c'est celui qui est saint. Le chrétien, c'est celui qui est... Une autre chose m'amuse un peu dans cette parabole des talents, c'est que celui qui dit que le Seigneur est un homme dur, je savais que tu es un homme dur, il le dit pourquoi? D'abord parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de donner à l'un ou à l'autre Dieu. Pourquoi tu me donnes seulement un seul? Il peut penser à ça. Et du coup, on peut comprendre que ceux qui maugréent le plus souvent dans la société, ce sont les paresseux. Il est tout simplement question de prendre conscience que malgré ce que tu es, tu dois mettre cela au service des autres.
Et ça mesure le talent. Et chacun ayant son talent, ça veut donc dire chacun, n'est-ce pas, a son don. Chacun a sa capacité. Et à partir de ce moment, je dois donc prendre conscience que si aujourd'hui je suis militaire, il faut que je me rassure qu'avant de mourir, j'ai conçu d'autres militaires. Que si je suis médecin, que je prenne conscience que depuis que je travaille là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi devenu comme moi à cause de moi? Malheureusement, on veut être seul et tout détruit avant de partir. Malheureusement, n'est-ce pas, on voit même ce qui peut faire du bien à son propre frère, on préfère éteindre et étouffer. Si ce n'est pas moi, ça ne passe pas. Un arbre ne mange pas ses fruits. Laisse que les autres apprécient ce que tu es. Et une apprécie ce que tu es qu'à partir de ce que tu as fait pour qu'ils deviennent comme eux. Obtenir la miséricorde de Dieu.